Bon, bah voilà, Top Gun 4, on est combien? On est combien? 24. 24. C'est le swag. Top Gun, le retour, ça faisait longtemps. Le dernier, c'était en septembre, si je dis pas de bêtises. 2002. 2002, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, Top Gun 4 avant 2017. On a repris les règles précédentes, il n'y a pas de changement. Donc, on est des équipes de 4, il y a une top par team. Ce qui fait 6 tops, donc 2 teams de 3. De top, voilà. Et top alors, il y a toujours les kits. Comme ça, oui. Bon, vous savez comment on sert des kits ou pas? Le slash. Ce putain de mais c'est qui dans le slash. Putain, non, ceci. Non, c'est même pas ça. Ah non, c'est pas ça, c'est slash. Oh, slash game, c'est ah, non, mais en top. Non, je lance. C'est slash reveal et vous gagnez une pomme d'or, mais tout le monde sait que vous êtes la top. Les changements cette saison, alors au niveau des kits, il y a un kit qui a été un peu refait, donc il y a 4 kits pour les tops. Mais en vrai, ta race, ils sont aléatoires les kits. Il y a pas de muter le gars là, ou c'est la top. C'est ma top. On l'arrache, mais. Ou c'est kid. Il y a un kit. Il y a un kit TNT, donc avec combien de TNT, Az? 3 kid. 4. Non, je suis sur Skype. Alors là. C'est ma tox alors. Bon, il y en a un certain nombre. Il y a un briquet, un œuf de Creeper. Il y a le kit feu avec des œufs de Blaze. Un livre Flame. Le kit aérien avec une épée c'était en fer. Un livre Knockback 2 et un livre Feather Falling 4. Et le kit potion qui a été changé cette saison où c'est des potions. Il y a potions d'invisibilité. Oui. De force, de speed et de résistance au feu. Et elles sont toutes en splash sauf la force. Ok. Voilà. Qui t'es là, toi? Attends, les diamants. La visibilité. Ah oui, les diamants aussi. Ah oui. Quoi, les diamants? Alors les diamants, on a interdit le craft. Mais bon, j'espère que ça marche parce que Aznet la connaît ça. Ça marche. Pas de toute façon. On a interdit le craft de l'épée en diamant, pantalon en diamant, casque en diamant et bottes en diamant. Donc la seule chose qui est possible en diamant, c'est les pioches et les plastrons, les houes aussi, les haches si vous voulez. Mais donc il y aura que un plastron en diamant. Hunter, t'as fini de souffler dans ton micro. Oui, c'est un sœur. Ah ouais, c'est un sœur, le sac. Merde, je suis grillé, putain. Putain. Bon, voilà, on est prêt. On est parti. Oui. Ouais, en tout cas, ouais, pour les potions, c'est comme d'hab, il n'y a pas le niveau 2, c'est ça? Ouais, il n'y a pas le niveau... t'as désactivé, Az? Az, allô? C'est foutu. Quoi? Allô? Allô, lag. Quoi? Allô? À quand la banque? Quoi? T'as désactivé les popos de force 2? Oui, et au niveau des teams, c'est comme c'était d'habitude, il y a un petit nouveau, il y a Matox qui est nouveau. On se retrouve au mid. Il y a Lupio aussi. Ah, il y a Lupio aussi. Et jure, ça manque pas là. Putain, mais il y a aussi. Tu peux répéter ou pas? Ta gueule, non. C'est pas grave. Non, mais sans déconner, il y a quoi? T'as dit quoi? Y'a pas de diamant. Mais quoi? Ouais, donc on non, mais si, y'a juste le patron, ouais. C'est tout. Bah ouais, je suis dans la 20ème. À poil. C'est moi la taupe, je vous baise. Ouais, excellent travail. Bon, tout le monde est prêt? Bah, on est presque en. C'est à quel épisode les taupes? Ah oui, les taupes, c'est quoi? C'est. Oh, oui, c'est un allez, ciao! Milieu de l'épisode 3. Milieu de l'épisode 3, 50 minutes de jeu. Les taupes, les taupes. Elles sont nerfées les 50 minutes, on attend de voir, mais c'est jamais les voir. De force, oui, oui. Je veux dire, enfin, ça fait comme un bon, allez, go, vas-y, lance. Comment on parle entre allez, entre toi, je te drop les mains. Ah oui, comment? C'est slash quoi? Eh les gars, t'es pas slash T. C'est pas très organisation. Slash T. Et on rigole, on rigole, oubliez pas. C'est quoi slash T, c'est quoi? C'est pour parler entre taupes. T'as l'air concerné quand même. Allez, bonne chance les mecs dans l'équipe de Mister avec son micro, ciao. Le dessert. Ah, quand je peux d'appuyer mes skins, je suis dans l'air. Ah, pareil. Allô. Allô. Je suis mort. Ah, bonjour. Allez, bon bail. Comment on pêche des meufs? Ah non, merde. C'est pas ici. Bah ben voilà. Putain, c'est vérifié un truc, c'est quoi ce bordel? Bonjour. Salut mec, ça va mec? Salut, ça va? Ah mec. Ah, tu connais ma chaîne YouTube? Ouais. C'est quoi? Salut, ça va? C'est salut, ça va? Ouais, et toi? C'est quand ta nouvelle vidéo? Attendez. Je sais pas. C'est quoi des vidéos, mec? Je sais pas. C'est plusieurs photos, mais ah, la suite. Ah, 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 ah,
Nut. T'es allé chez Ikea récemment, toi. Comment ça va, la famille? Je suis une pomme. Imhotep, bah c'est le retour de la team Patrick, du coup. Oui. Grave. Non. Y'a le TK ou pas? Oui. Non. Je sais pas, mais je veux bien que tu mettes une patate pour essayer. Attends, je vais en chercher, on va trouver un village, ça va s'arranger. Non mais je veux que tu me la mettes dans le cul. Bon alors Pierre, si tu pouvais nous trouver un donjon, ce serait cool. Est-ce que je peux te mettre ça dans le cul, regarde? Ça m'a l'air bien grand. Ah mais tu sais ce qu'on dit en anglais. If you're brave enough, everything is a dildo. Oh merde. Non, allez, c'est je cherche du caillou, moi. Attends, nous on est encore au bois, là tu vas aller chercher du caillou. Je sais pas. Lui il est là. Bon les gars, j'ai construit 4 villes, vous dépêchez-vous un peu, les mecs. Alors j'ai fait une usine à poulet aussi. J'ai trouvé l'iridium et tout. Alors j'ai la quarry qui est là-bas, hein, si vous voulez y aller. Le monde est un peu instable, mais ça va. Les gars, j'ai codé Minecraft dans Minecraft. Enfin, bougez-vous le cul, quoi. Faut combien de cailloux, je sais plus. 3, 6, 14, comme ça on a tout. 52. Ah, il compte. Il fait semblant d'être intelligent, le mec. Alors ça ira de là à de là. En face de là, il sert à rien. Allô. D'accord. Et vous avez vu la petite montagne à côté? Elle est rigolote. Ouais, t'as bien compté. T'as combien? De quoi? Il y a du fer déjà. Ah non. Il y a combien de cailloux là-dedans? Il y en a une déjà. Il y en a une, elle est là sur le serveur. Ouais, ouais. Mais j'en ai pas pour vous les mecs. T'inquiète, salope. Est-ce que t'es la taupe? Attends, je me casse. Est-ce que t'es la taupe? Alors oui, on vous a pas dit, mais à chaque fin d'épisode, il y aura les conseils des Patrick. Part de ma carrière, t'es dans ma carrière. C'est la mienne. Le conseil des Patrick où chacun désignera qui Attends, pense... Attends, ma carrière YouTube. Pardon. Qui pense... Oui. Ah ouais, c'est bon, tu la récupères là. j'ai pas de pioche. Je taille dans ta carrière. Tiens, Souls. Prends ce caillou, il t'est généreusement offert. Putain, lui, tu vois, il a envie que je le protège au conseil. Au conseil. Putain, j'ai l'impression d'être dans Koh-Lanta, quoi. Grave. Mais c'est ça, mec. Bon bah, Pierre, tu prends ton flambeau. Tes affaires. Tu te fous dans le cul. Et les conséquences. Leur sentence est irrévocable. Oui, c'est ça. La sentence est irrévocable. C'est quoi cette phrase d'ailleurs de base? Ça veut rien dire. Bah si. T'as jamais pris ton flambeau. C'est quoi le proverbe latin qui n'a rien à voir et qui veut dire si tu veux la guerre, fais faire la paix? Ou l'inverse. Si tu veux la paix, faut faire la guerre. Sentence sous. Allez à Jacques Taest. Non, je crois que c'est Paravis al Rabellum. Et les mecs, on fait quoi? On fait vraiment une carrière ici? Attends, il reste encore du caillou. Vous voulez pas, on ouvre une taverne. Nous sommes dans la montagne. Bon, allez, cherchez de la bouffe, ça vous dit. On creuse la nuit. Ouais. Oh, y'a un marais, ouais. Y'a un marais, venez, y'a un marais à côté. Voilà. On va se marrer, LOL. C'est bon, la synchro elle est bonne là. C'est que dans le marais, c'est là où il y a le restaurant de Cyril Lignac, alors moi je suis chaud. Hein. Calme-toi, Harry. Calme. On prend des pommes, c'est bon les pommes. Moi j'ai voté Chirac en 95. Ouais. C'est vrai, t'avais déjà l'âge de voter en 95? Ouais, j'avais 9 ans. Moi j'aurais bien voté Chirac depuis qu'il a dit ça me touche une couille sans bouger l'autre. Ça m'a ça m'a fait palpiter ça. On peut en faire quelque chose des citrouilles. Transcender des. Ah oui! Tu peux les mettre sur ta tête, non? Grave. Vas-y, c'est comme le boyfriend challenge mais en mieux sur Minecraft. Non. Non. Est-ce que le boyfriend challenge c'est bien? Non, c'est le boyfriend tag. Oh putain, il y a une araignée. Ah, vas-y. Oh, venez les gars, on lance nos assauts avec des citrouilles sur la tête. C'est bon, je suis prêt les gars. C'est où la baston? Moi j'aime bien la bagarre. Il y a des vaches. Moi j'aime bien la bagarre. Moi. Et Pierre, attends-toi. Je vois rien, lol. Attendez. La mort, il y a des trous, prenez pas de dégâts. Ah. Et n'empêche, tu charges une team comme ça en étant full en... Alors oui, mais c'est, en fait, c'est super... Comme ça, tu vois rien, Nick. Nickel, ah, grave. C'est super chiant, alors on va arrêter ça tout de suite. En plus, du coup, on a l'impression que je suis tout orange, c'est moche. Vas-y, dégage. Je fais cuire un peu de nourriture. C'est bien. Attends, j'ai bientôt un lapin. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, vous avez le droit à votre repas quotidien. Bonjour à tous, c'est Fast Good Cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va apprendre à faire les Kinder Bueno maison. Oh maintenant, c'est l'heure de la dégustation. C'est une tuerie. Tu fais super bien. C'est le meilleur jeu d'acteur. Je pense qu'il faut faire des Césars pour les youtubeurs et gagner la palme du meilleur acteur. Nether. On peut rush, Nashor aussi, je pense. Nether, say never. Okay. Is it too late now to say sorry? Alors,
Bon, faudra attendre un peu les arbres aussi. Qui c'est qui a une table de craft? Il faut de la bouffe. Tiens, Harry. Merci, bébé. Je mets plein de trucs à cuire. Et Pierre, je pense pas qu'on ait assez à manger pour l'instant. Pierre. Quoi? Tu connais la différence entre un bébé et un burrito? Attends, attends, je réfléchis. Est-ce que c'est en rapport avec quand il a la diarrhée? Non, non. Mais ta version m'intéresse. C'est que le bébé... Non, le burrito il crie pas quand je le fourre. Mec, tu sais que ça a des heures de grande écoute, ces épisodes. J'ai vu ah. Plus Charlie, moi. J'en peux plus. Et les mecs, et les mecs, on se l'a fait, cette araignée, ou pas? Regardez, hé, ce on se l'a fait, ou pas? Une araignée. Paravis Sarabellum. Putain, il faudrait que je regarde la situation. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, elle va charger. Bravo, les pas mecs. Mal, quel bel esprit d'équipe. J'étais là pour on regarder, a fait c'est des grâce coups, à moi. Hein, les mecs, on s'est passé à deux, toi. Sans votre support, on n'en serait pas là. Putain. Quelqu'un de la bouffe? Ça cuit dans le four. Allez. On en parle. Silence, ça cuit. On fait ça. On s'en pense. Du nombre de pommes ou pas? Ouais, couper des arbres. Deux. J'en ai pas, mais je suis sûr que tu vas pas partager parce que t'es un enculé. Ouais, tu vois, c'est toi la taupe. C'est quoi, mec, au conseil, je te défendrai pas. Je te mets sur mon, sur ma Death Note. Sur la, je te déconseille. Sur la blacklist. T'es sur ma Death Note, Pierre. Juste après. Il est super impressionné. Cyril Hanouna et Kev Adams. Oh, une pomme. Je parlais de Cyril Hanouna et de Kev Adams. Rip. Mais toi, t'es le genre de mec qui a regardé les anges de la télé-réalité. Mais y'a des pommes ou pas? Tu vois, je suis un peu comme les poètes de la Pléiade à inventer des mots pour enrichir le vocabulaire français. C'est un peu mon genre de truc, ça. Tu connais les poètes de la Pléiade, Harry? Non. Bah voilà, ferme ta gueule alors. Putain, l'organisation de cette team est incroyable. Ouais, c'est bon, on amasse bois. Le bois, check. Maintenant la terre, c'est parti. Eh hey, Pierre, il va falloir que tu te calmes, hein, parce que le conseil, ça va barder. Hein. Hein, mais j'ai rien dit, moi. Hey, c'est quoi l'organisation de cette équipe? Non, mais moi, je veux pas, blablabla. J'ai jamais dit ça. Je te note. Mets-le dans ton petit calepin, Souls. Tu vas te faire déconseiller. Oh. Vas-y, on s'enfuit. Je suis j'ai vu que t'as dit on s'encule. Si tu veux aussi, hein. Moi, je suis libre là-dessus. Oh, vas-y. Prends des champignons, comme ça, ça agrémente un peu la soirée. Ok, j'aime la vie. Est-ce qu'ils sont hallucinogènes? Je sais pas. C'est qui, hallucinogène? Dans ta gueule. Faudrait lui rendre, parce que la pauvre, c'est la plus de champignons. Est-ce qu'il y a plus de pain? Je sais pas, moi, je m'inquiéterais à sa place. Et vous avez vu, Pierre, il est souvent tout seul, quand même. Hein. Oui, c'est le top. Je suis pas beaucoup en team. Je lui rends des conseils, là. Qui c'est qui vous a filé la bouffe? D'ailleurs, faudrait en trouver plus. J'en ai trouvé, on moi. Dirait mon père quand il est vénère. C'est qui le nourrit tous les soirs? Qu'est-ce que je fais? Vous les minez à partir d'ici? T'as failli me passer un coup. Oui, t'as vu? Je sais pas. Impressionnant. On sert un verre? Oh, non, mais on s'éloigne du marais parce que ça pue le marais. Ouais, ça sent pas très bon. Hein. Putain, c'est tellement. Comment on dit? Homophobe ce que tu viens de dire. Aïe, salut. Nice. Je peux pas, on a notre quota de gays dans la team. Oh. Un. Oh, oh. Un, c'est bon. Ça arrive. Hein? Non. Harry, j'ai pédé. Maintenant, tu es pédé, Harry. C'est mort. Ta gueule. Ta gueule. T'as vu? Il y a beaucoup de boulot ici. Peut-être que les immigrés ils devraient venir ici. C'est pas charmant. Les mecs, on a une entrée de caverne. Anem, ça moitié vie. Il a dû prendre un creeper. Ils se mettent bien. Il y a pas l'entrée de caverne. J'espère qu'il a mis un préservatif. Pas vraiment de caverne ici. Hein. Bon, allez, on qu'est-ce qu'on fait? Ah si, là. Je sais pas, mais. Ah là. C'est très productif, j'ai hâte. C'est à partir de quand? Ah non, rien. Ah nice. Tiens.
Attendez, j'ai quelques... Hop, j'ai... Tu vois, wow. C'est ce qu'on appelle l'art déco, c'est du pop art. Waouh. Ça pop, hein. Écho. Ça pop. Mais pourquoi tu lances des yeux comme ça, c'est une menace? Fais gaffe, t'es à l'œil, Yoznet aussi. Hein. Salut. Attends, je faisais des torches. Oui, mon premier fer. Regarde, tu vois, j'essaie de t'acheter moi aussi. Mais tu sais, la corruption, moi, c'est un truc que je maîtrise dans mon pays, on fait beaucoup de trucs comme ça. Ah oui, putain, en plus, c'est d'actualité, mec. Hein. Ah, ça, part pas un peu en vrille ou... Ah, si, si. Ah, mec, tu vas en prison. Ah, bah non, en fait, t'es le ministre des Affaires étrangères. Non, c'est rigolo, ça. Et vous savez qu'en 1.9, les joueurs, il y a les masques de collision entre. Du genre, là, quand tu mines, tu peux pousser ton pote dans le trou. Ah, très bien. Ah, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, oui, on n'est pas passé en 1.9, je le précise pour les viewers. C'est quoi ça? C'est parce que. Mais aussi parce que. Attends. Parce que c'est pas très Charlie. On va mettre ça. Voilà. Non, parce que les mecs ont pas eu le temps. En PVE, c'est assez. Puis. Enfin, c'est assez dur par rapport à avant. J'ai donc un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pris de boisson moi non plus. Et Aznet, t'as pas ton frigo avec ton petit coca à côté? Mec, il est cassé. Vendu. Non. Quoi? Comment? Qu'est-ce que t'as fait? Bah en fait j'ai des problèmes. Enfin j'ai. T'as voulu te refroidir la bite ou quoi? Ouais bah ouais. Bah ouais, tu connais, ouais. Tu connais trop. Ouais, bien, ça rentrait pas, j'ai pété la porte. Fallait pas tout dire. Non, il était branché et j'ai enlevé la prise sans l'éteindre. Et du coup je crois qu'il y a un truc à disjoncter comme du haut. Du coup, au lieu de refroidir, bah il réchauffe mes canettes de coca, c'est pas pratique ça, sachant que moi j'aime bien les boire frais. Et boire du coca chaud, bah c'est l'inverse de boire du coca frais quoi. C'est pas ouf, j'avoue que. Putain, c'est ton frigo, c'est qui, il tourne ton frigo il tourne sous Windows 95 quoi. Ah, mais Matox, c'est pas lui qui fait des UHC run là? Ouais, entre autres. Putain, mais Nems il a déjà plus de vie. Il a branlé. Non, mais t'inquiète, tu vas gagner quand même, mec, laisse tomber. Ouais, t'as. Oh, y'a un creeper là. Regarde, hein, l'équipe pète en prison là. Où ça? Non, mais il va pas, il va venir. Ça sent les flatulences jusqu'à ici. Et les mecs, ça s'enfonce ici. Ah. C'est qui veut me suivre dans le petit trou là? C'est qui s'enfonce? C'est MBDTC, bim. Voilà, oh, le clash de 2011. Rap Contenders. Oh. On dit que c'est moi le PD. Hein. Le PD. Mec, on t'a dit t'es PD. Respecte notre choix, s'il te plaît. Bon, tu fais le roleplay ou quoi? Respecte l'autorité, Harry. Oh, les mecs, Mineshaft! Ouais, les mecs, Minecraft! Ouais, Mineshaft! Non, vous êtes parti par où? Ça descend là. Demon, oh, crevasse! Ah, oui, mais Mineshaft à côté! Ah, il y a une crevasse, mais je vous vois pas. Salut, ça va? Oui. C'est moi. Vas-y, c'est bien, saute. Pour le coup, c'est un peu moi. C'est pas très haut. Oui, ok. Oui, ok. Je te le laisse. Putain, j'ai pas beaucoup de bois. Ah, quelqu'un avait déjà remarqué que ma bannière sur Salut ça va, c'était François Hollande. Quoi? Ma bannière sur Salut ça va, c'est François Hollande. Je savais bien que tu supportais ça, toi. Non, j'aime bien les coups. Ah, il y a un squelette, ok, je me casse. Ah, oh. Mais ferme. Mort, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Moi, je me casse. Salut. Au revoir. Il est mort. Moi. Allez, aussi. Merci. J'ai plus. Allez, vie. C'est bon, Soul, ce soir, c'est la fin de la fête. Ah, c'est à ce moment-là où tout le monde se pécho et moi, il reste tout seul. Non, c'est à ce moment-là où tu mets du Patrick Sébastien. Ah, ouais. Arrête. Ah, j'ai trouvé un. Oh, j'ai trouvé un Smite 4, des rails et des graines de melon dans un coffre. Un Smite 4? Ouais. Super. Oh, c'est dommage. On va être super bien en PvE. Putain, ça aurait été bien. C'est vraiment pratique. Y'a pas un zombie là dans le coin que vit sa mère? Là. Ouais, mais. Là là? Là 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 là. Putain, j'ai pas un morceau de laine, sinon je t'aurais fait mon éternelle blague, Francis la laine. Ça c'est drôle là, hein. Ah, qu'est-ce qu'on se bidonne avec ça, hein. Eh mec, à l'époque, tu disais pas ça, d'accord? Ah, on se à l'époque, bidonne bien, mec, hein. À l'époque, Harry, hein. Voilà. Y'avait un jeu de mots? Non, c'était juste. Oui. Oui. À l'époque, Harry, voilà. C'est à tout. À l'époque, Harry, voilà. Regarde, et Pierre, tu vois, il dit rien, il a déjà coupé. Putain, Frisier, il a deux cœurs et ils sont bien dans leur team. C'est pas mal. Tu crois que c'est un troll? Salut, je me suis super éloigné, un squelette, je me casse. Oui, ils se font plaisir.
sont tellement vieux qu'ils sont, ils ont bougé sur Terraria entre temps. Pardon, c'est pas moi. D'accord. Sur Terraria, ça existe encore ça? Ouais, je crois qu'il y a eu des vidéos. T'as trop d'exploration. Ah, je viens d'entendre la blague Ferrari, c'est un peu choquant. Non, non, je suis là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, tu me conseilles, ok? Attendez-moi! Mais qu'as-tu critique? Partez pas! Ça critique, mais ça clique. Allo, oui, oui, c'est l'araignée. Oui. Non. Ah, t'es full fer, t'es comme ça. Bah, ouais, y en a plein qui sont full fer. Ok. Non, en vrai, bah, y en a plein du fer là. Ouais, non, mais j'en ai aussi. Harry, il est aussi, je crois. Ouais, full fer, non, pas encore. Ça cuit. Silence, ça cuit. Lol, déjà fait. Et j'ai entendu frère Harry de loin, c'était excellent. Je me suis bidonné. Bidonné. Je n'en pouvais plus. J'ai entendu ta blague, mais j'ai pas relevé. JPP. Pas comme les épices. Hein? Je JPP. D'accord. C'est pas grave. Non, mais. Non, non, non. Non, non, mais y a pas besoin de. Non. Ouais, non, mais non. Salut les potes. Non. Salut. Il est où, Pierre? Salut. Salut. Pierre, t'es un traître. Pierre, tu perds des points. Putain, vous voyez qui c'est, Laurence Boccolini? Oui. Ouais. J'ai envie, d'être elle. Faut dire, vous êtes le cash drop. Aïe Pierre, t'es le maillon faible. En plus, t'es moche. No chill. LOL, savage. Savage, rude AF. Savage. Emoji qui pleure de rire. JPP. JPP. JPPDA. LOL. Non. LOL. Je vais laisser mon cœur faire tout seul. Mon frère cœur. Pas mon cœur. Je vais laisser mon frère cœur tout seul. On va me le voler. On va me le voler. Je sais pas si t'es au-dessus ou en dessous de moi. Enfin, je veux dire. Faites. Je la sens pas quoi. Je suis toujours au-dessus. That's what she said. Oh, j'ai une armure de. De GM. Cheval. De cheval? On a pas envie de savoir. C'est génial. Oui. C'est l'heure du conseil. Ah. C'est ah. Ok, on va mettre toute la fin de l'épisode à se retrouver. Peter, où es-tu? Quelqu'un peut me faire une armure en fer, s'il vous plaît, je suis pauvre. Non. Tu perds des points, Harry. Attendez, vous êtes où? Vite, il reste 50 secondes pour le conseil. Alors. Et c'est bon, là. Ah. Ouais, ah, ouais. Selon toi, qui est la top? Attends, wesh. Ma personne. Vous êtes pas du tout au campement. C'est dur à dire. Il y a Souls, il est pas très Charlie. Attends, mais les ah, tops ont déjà tiens, été. Tiens, donne-moi des points parce que je me suis gouré en faisant l'armure. Ah, voilà. D'accord, merci. Donc voilà, ceci est pas Charlie. Pierre, il est pas là. Il est où, Pierre? Et moi, j'ai un 30 dégâts, moi. Voilà. Voilà, ah, ça, bah, c'est Pierre. Donc, ça, c'est Pierre. C'est une très bonne stratégie, ça, Pierre. Ah, je prends des dégâts pour attirer l'empathie des gens et après, ils votent pas pour moi. Non, tu me mais... la fais pas à moi, Pierre. Pierre, t'es la taupe. Mais c'est Souls parce que Souls va en faveur de la vie générale et du coup, voilà. Non, moi, je suis pour. Le terrorisme, quoi? Non, pas du tout. Ouais, je crois que c'est Souls. Pas... Parce qu'il parle trop et il fait des blagues de merde. Allez. Ça, c'est Souls habituel, quoi. Ouais. Donc, du coup, pour cette connerie absurde, Harry, c'est pour la taupe. Pourquoi? Parce que je suis un rageux. Au revoir, salut. Au revoir. Allez, salut, au revoir.